RIP, les bandes noires dégueulasses qu'il y a eu sur toutes les vidéos de la MZK Team. Aujourd'hui, c'est fini! Gain. Bonjour les Minecraftiens, ici c'est Albert35 en compagnie de Nogar Tinjoff. Oui, il va dire bonjour lui. Et de Spirit Wolf. Salut les gens. On se retrouve donc sur Minecraft Zet Offert. Cet arbre prend forme et cet arbre est magnifique grâce à notre constructeur familial. Je crois que tu n'as absolument pas cheaté pour trouver tous les matériaux nécessaires à la construction de cette cabane. Bah non, il n'y avait pas de raison, surtout qu'elle est quasiment en bois. En bois et en pierre. Mais elle est dans un style franchement que j'adore, tout est ultra soigné, tout est magnifique. Oh putain, mais le verre à nos pieds quand on est à 50 mètres au-dessus du sol, je sais pas si c'est absolument nécessaire. Il suffit de mettre un FOV un petit peu petit et... Oh, j'ai le vertige. Attends, je vais voir avec le FOV. Non, le FOV. Mais non, mais c'est LB, non! Mais non, mais j'ai plus de verre blanc! Ah bah je m'en give un là. Hein. Ouais, vas-y. Je vais C'est sacrifier une quel? Tu émeraude. peux juste. Ouais, va falloir que j'aille chercher les émeraudes. Fais chier. Bon. Non, c'est pour ça on va pas chercher une émeraude pour un verre. Oui, mais c'est une émeraude. Craft. Une seule. Place. Une seule petite émeraude. Puis vu Voilà, le prix voilà. de... Vu le nombre d'émeraudes qu'on peut trouver dans les donjons et dans les mines, et vu le tryhard de Ben 13 aussi, qui devrait d'ailleurs arriver par chez moi C'est dans pas pas très longtemps. un. Je vais jeter ce qui est en trop. Hein. Ah non. Un. Si t'arrives à trouver avant que je... C'est pas glace, hein, je te rappelle. Ah, c'est quoi? Déjà tu donnes des numéros et pas des damage value, et c'est stained glass. Stain étoile. Stained glass, 1, 1, 1, 1, stained glass. Mon dieu. Ok, il Je a pété un m'excuse câble. C'est ce que j'allais dire, mon dieu. Il a pété un câble complètement. Alors. Travaille comme d'hab. Je viens de manger un Merci. poulet pour un demi-gigot. S'il est Ouais, mieux. des classes. Hein. Et je crois que c'est le. Non, c'est le Moi je magenta. retourne. T'as Moi je c'est le retourne à mon orange. activité favorite, la pêche. C'est bon, je Je sacrifie sais. émeraude. Voilà, trop tard. T'as rien pu 3, faire. non, toujours pas. Je sais pas du tout lequel c'est le blanc. Mais quel bolos. 5, 6. Et si ça se trouve, ça va être le dernier, comme par hasard. Pink, gray, 8, light gray, 9. diamant, J'y ai cru. ouais, J'y ai cru. gris foncé, gris clair, avec un peu de chance, cyan, purple. Ouais, y a aucune logique en fait. Contrairement aux miniatures de MVO4, si vous êtes parfaitement attentif et que vous voulez regarder dans l'ordre, vous aurez une petite surprise. Cette série a un secret. Ah, tu pourras nous Vous le aurez dire toujours la en off. sensation que la miniature de l'épisode, par exemple, de l'épisode 6, c'est la même que celle de l'épisode 5. Enfin, que deux épisodes conjoints ont la même miniature, mais en fait, cette couleur évolue au fur et à mesure. Et celui qui réussira à me décrire ce qui se passe dans la miniature de MVO, Eh je lui ben, ça forme donnerai un arc-en-ciel. slash ban Tinjoff. J'ai dit au pif, hein, j'ai dit au pif. Je re. Re. Hashtag troll. Re. Qu'est-ce Re que la tu vas faire vidéo. avec un appareil photo? Des photos? Ouais, merci, ça m'aide beaucoup. En plus, je suis même pas sûr qu'il y ait encore de la mémoire dans Oh, cet il va appareil cuire photo. des œufs. Il va cuire des œufs avec. Ouais. Cuire des œufs. Avec un appareil photo. Bref, On peut le si vous faire pouvez avec nous des envoyer des portables. fanarts. Si vous nous envoyez des fanarts de deux qui cuisent grâce à des portables, je peux vous garantir que vous pourrez rejoindre officiellement les MC Kittens. Trolled. Je pense que je ferai une section de la chaîne avec toutes les chaînes de nos abonnés les plus fidèles. Les MC Kittens. Lol. Après les MC Chats, les MC Chatons. Bon, ma maison, elle me plaît. Il y a juste le pont qui est un peu moche par rapport au reste, mais ça me convient quand Ah! What même. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais il y a Ref.
What? J'ai juste laissé un bloc de pierre alors que j'étais sur mon cheval. Et ça a glitché, complètement glitché. Ça a buté mon cheval et ça m'a buté moi. Ah bon, mais t'as perdu ton bon Jean-Paul cheaté. Ouais, mon Jean-Paul était cheaté. Nos chevaux, on peut les ressusciter, ils sont immortels. Et ce, sans émeraude. Oh non, ça m'énerve. Quoi, ça dans... Je te regardais, et là, d'un coup, j'entends... Je regarde, je me retourne, j'entends le cheval qui meurt, et je vois CLB35 s'est écrasé au sol. Je me retourne, et je vois ton stuff éparpillé. What the fuck. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait J'ai juste cassé un bloc de pierre, je vois pas ça. Je vois pas le souci que c'est censé poser. Je l'aurais bien fait, mais juste pour tester, mais j'hésite, j'ai peur maintenant. Oh my god. Faut que tu te piches dans un coin. Et les mecs, je viens de pêcher un livre enchanté. Alors attends, c'est Looting 2, Feather Feeling 4. Il était coincé dans un bloc. J'ai cassé de bloc, sauf que le problème c'est qu'ils étaient en chute depuis tout ce temps. Et du coup, moi aussi. Et t'es voilà. Où Spirit Wolf? T'es où? Attends, j'arrive. Je le veux ce bouquin. Quel bouquin? Parce que j'ai réussi à avoir Looting 1 sur mon épée, mais Looting 2 ça va être cool. Avec j'ai bien pêché un bouquin enchanté en fait, c'est pour ça. De pêcher. D'ailleurs, il va falloir enchanter nos cannes à pêche parce que ça peut être craqué ce qu'on obtient avec. Hein. Bah, moi j'ai une Breaking 1 sur celle que j'ai en ce moment. Donc... Ridicule. Moi c'est plus beaucoup de level, hein, goûte. Bah, je suis moi il me reste 3 levels. Et j'ai perdu 3 quarts de mes levels à cause de cette connerie de cheval glitché de merde. Alors, là on va faire en vidéo ce qu'on a fait 2 ou 3 fois déjà en hors cam. Et vous ne pouvez pas nous accuser de cheat, nos chevaux sont immortels. Entity. Et moi je peux pas du tout être accusé de cheat parce que mon mien il est absolument pas cheaté. J'ai failli summon un Ender Dragon, bref. Oh merde. Oh merde, l'arbre a été entièrement rasé. Non, heureusement qu'il n'y a pas de mob griefing. Ouais. Parce que là, sinon, tu summon un Ender Dragon par erreur. Oh tiens, l'arbre est entièrement rasé. Ouais. C'est ce qu'on va faire à la fin de la série d'ailleurs. Summon Entity Horse. Bon, je t'attends, Spirit Wolf. Oui, écoute. Bon, d'ailleurs, je vais attacher mon cheval au final. Hein. Oui, j'ai fait des lèches. J'ai fait des lèches pour chaque cheval. Moi, tout ce qu'il y a avec mon cheval, c'est absolument pas cheaté, tout a été pêché, sauf le cheval, mais... Et voilà. J'ai pêché la selle, j'ai pêché les... Il a autant de vie, que le précédent. Par contre, je suis pas sûr qu'il y ait les mêmes caractéristiques niveau vitesse et tout ça. Ça se trouve, si, parce que vu que j'ai summon avec des tags custom, ça se trouve, c'est juste un clone. C'est chaud avec des graines, pour le merde. Il a la même couleur, la même barre de vie, là, je pense que oui... What the fuck, elle est passée où ma laisse? Ok, j'ai perdu une laisse. Non, tu vérifies que tu l'as pas récupéré, Spirit. Parce que j'ai voulu attacher mon cheval et d'un coup la laisse elle se casse sans raison. Parce que mon cheval était à 2 cm de moi. Bon Jean-Paul, tu vas être gentil, tu vas te laisser. Ah oui, il faut aussi que tu lui donnes une armure en fer du coup c'était. Il est où? Ah, il est là, le petit sagouin. Oh putain! Hey, d'ailleurs, dans les grottes que tu avais creusées, là, tu sais où tu avais creusé un énorme escalier en colimaçon. Maintenant, on peut y sauter sans problème, j'ai mis de l'eau au fond. Swag! Regarde, ici, c'est LB. Attends. Ouais. Ici, alors, prends pas ton cheval, je te le déconseille, il pourra difficilement remonter si tu arrives à le faire descendre. Mais là. Adieu monde cruel. Adieu cruel monde. Par contre pour monter bonne chance, hein. Bon courage. Eh enfoiré. J'ai pas fait de remontée, j'ai fait une descente. J'ai pas fait de remontée. Bon, on a un escalier, c'est déjà plus rapide qu'une source d'eau donc. Et donc, nous remercions encore une fois Zephyr pour sa machine à poulet hyper efficace. Ouais. Le Québec c'est cool en fait. On pourrait pas s'en passer. D'accord. Ah bah tiens, ceci n'est pas le chat Facebook, c'est le chat Bric à Brac, le forum des briques filmeurs francophones. Ah mais purée, bordel de merde. Slash disparaître. CLB disparaît dans un nuage de fumée, au revoir. Pourquoi? Ok. Pourquoi tu dis ça? Aïe. Parce que je me déconnecte d'un chat en fait. Ah d'accord.
Et CLB, tu sais quoi? J'avais plus qu'un saut à faire pour arriver en haut du truc, et sans faire exprès, je me décale un peu trop sur la droite. Je suis mort. Non, je suis pas mort, non. Parce que du coup, je suis retombé dans l'eau. Ah. Mais je dois tout remonter. Je vais m'entraîner au MLG, moi, d'ailleurs. Poste tout ton stuff, je te conseille. Hein. Ouais. Pose ouais. Dans un coffre chez toi. Tiens. D'ailleurs, t'es allé chez toi récemment, CLB? Non. Eh bah vas-y. Vas-y. Je te le conseille d'y aller. Je vais tout poser sauf mon seau d'eau, forcément. Et mon armure, faut pas que j'oublie mon armure. Oui. Qu'est-ce que tu as fait chez lui? Qu'est-ce qui s'est passé chez CLB? Je me suis fait prank à tous les coups. Ah bah il verra. Bah je vais y aller parce qu'en même temps je vais déposer mon lit. Bah moi je vais y aller parce qu'en même temps je vais pouvoir redormir chez moi et pas chez Fanax. La la li la la la. D'ailleurs il faudrait aussi que tu montes la zone de la Notch Apple. Ah oui. Ouais. Je me suis quand même fait chier à éliminer du quartz sur les heures. C'est pas pour rien. Ouais. Allez. J'ai gaspillé à rename toute mon XP aussi. J'ai perdu toute mon XP à rename mon stuff. Et à enchanter un bouquin. On peut rejoindre ma maison là? Ben pas ici, peut-être par ici, mais moi je vais à la mienne d'abord. Pour poser mon lit, faire une petite sieste. Une petite sieste. Quand on fait une petite sieste la nuit, on appelle ça dormir. Bon. Ah non, pas quand c'est vraiment une sieste qui va durer pas longtemps, parce que dormir c'est quand tu te réveilles le matin. Bah dormir c'est simplement l'action de dormir, après bon. Hop. Que ce soit du jour, la nuit, hop. Le crépuscule, le matin. Les gens qui dorment le matin, on appelle ça des gros flemmards. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qui t'apprends que les blocs utilisés, tu dois savoir qui. C'est qui j'ai pas de stuff. Des tables de craft et des minerais d'émeraude. Fanax. Non mais des minerais d'émeraude. Non c'est qui Ben. Qui avait une silk touch déjà? Ben. Ben. Et qui mine tout le temps d'émeraude? Il a une silk touch. Ben. Putain. Sachant qu'il arrive chez moi dans moins de 10 minutes normalement. Encore une fois là, il est un peu en retard. Ouais, tu vas pouvoir le tuer. Ah non même pas. Je me suis gouré d'une heure en fait. Il arrive dans d'une grosse demi-heure. Mais normalement dans l'épisode 16, je vais pouvoir buter Ben 13. Bon. Allez, maintenant je redescends en mode duo. Mais attends, j'ai une pioche, moi je te l'amène. Il a une pioche silk touch, fait il chier. A aussi. Ah oh, merde, j'ai pas dormi, il fait chier. Il a une pioche silk touch, mais il a aussi une silk pioche. Silk touch, bolos. Silk touch. Il a aussi une pioche fortune. Et encore silk. Silk, c'est un peu une prononciation un peu étrange. Oui, oui. Où est ma maison? Il a aussi une pioche fortune. Bah oh, là, de j'y merde, suis. Où est ma maison? J'y suis donc. Ah, bah, Coucou, moi, il y a quelqu'un de méchant qui t'apprend que mais t'as vu les blocs, tu dois savoir qui. Ouais. Ah oui, mais en plus il en a mis partout quoi. Oui. Bah oui. Dans le fond aussi, je crois qu'il y a un autre. Bon, on s'en fout qu'il ait une pioche fortune. Je le ramasse avec ma pioche. Hein. Il a une pioche fortune. Oui. Oui. En plus de la secte. Ce mec. Oh, mais la vache. Ce mec, c'est power stuff level. Ah, il a aussi réussi à avoir Fire Aspect sur son épée en diamant. Ouais. Il fait chier ce type. Oh là là, le jour où il aura Sharpness 3 Fire Aspect. Voilà. Bordel de merde, il est où mon lit? Oh, quelque part. Ici. Quelque part dans ses... Ouais, j'ai dans trouvé mon lit. C'était le truc le plus entouré d'émeraude. Et je suis level 10. Pourquoi est-ce qu'il y a... C'était level 3, je suis est-ce level 10. Il y a une tour de bûche. Si tu n'avais pas déjà trouvé, c'est Ben 13, merci Captain Obvious. Alors, tu rages? Non, même pas. Non, parce que du coup, j'ai 25 émeraudes et j'ai 10 levels. Bim! Rentabilité! Le problème, c'est que moi, j'ai plus mon seau d'eau. Je me suis scrotché comme une merde. YOLO! Je te mets les pancartes dans le coffre. Voilà, j'ai un peu plus de barre de faim maintenant. Coucou! D'accord, tu sais aussi que tu viens de battre Fanax. Ah merde! Oh fais ah chier oui. Oh putain merde! Oh non! Slash scoreboard! Non, tu rages. Là, les panneaux de Ben 13, tu rages, ils sont corrects. Hein. Ah oui, là c'est justifié, putain, mais quel boulet je suis. En fait, il l'avait prévu. Il avait prédit dans sa tête que tu allais sauter. Et que j'allais m'amuser à me suicider pour gagner 2 gigots de bouffe. Et qu'au final, putain, ça allait c'est tuer. Cette caverne est tombée. Ah, j'ai une petite faim. Et si j'allais sauter d'un pont? Voilà. Replacer dans c'est la complètement ça en plus. De toute façon, je respawn.
2 secondes, les mecs. Bon, je te mets tout ce qui est inutile et que j'ai récupéré dans ta base, sauf les émeraudes en gros, dans ton coffre qui se trouve dans l'escalier. Je reprends un petit peu mon bazar, moi. Ouais. Ouais. Oups. Non mais, sérieusement, c'est beaucoup trop efficace, la hache, hein. Bah, c'est pas une hache déjà, c'est une tronçonneuse. C'est même plus une tronçonneuse, c'est un truc antimatière, quoi. Oh, du lapis! J'ai du lapis en vue! Oh. Parce que même avec une tronçonneuse. Même avec une tronçonneuse, tu vas pas aussi vite! Ouais, parce que mais avec une hache, tu vas clairement pas aussi vite. Oui. Allez, je vais reprendre un peu de stock de poulet, moi. C'est une tronçonneuse antimatière, voilà. Comme ça, c'est réglé. Une tronçonneuse à antimatière. Alors, quelle idée d'avoir donné l'accès à cette salle? En passant par l'enclos des vaches, quand même. Bon, en fait, je vais éliminer, je vais me chercher un seul. C'est très utile. Simplement parce que c'était le seul endroit où vous pouvez passer en façon symétrique et centrée. Ah merde. Ah, d'ailleurs, je comprends toujours pas tes escaliers qui montent vers chez toi, CLB. Il y en a un qui, si tu continues tout droit, il pointe vers le vide. Il y en a un autre, il est presque inaccessible. Oui. Qu'est-ce que tu as cassé? Rien du tout. Rien du tout. C'est juste qu'il me manquait un gigot de bouffe et puis j'ai pas fait exprès, j'ai mis ce clic et... Ne me tuez pas, s'il vous plaît. T'as mis ce clic et... Et ça a mangé une part du gâteau. Ah, au secours. Jeanne, au secours. C'est-à-dire que c'est moi, c'est toi qui veux qu'on... Jean-Paul, c'est moi qui veux qu'on... Allez, Jean-Paul, on se casse. À la poursuite de CLB, une grande chasse à l'homme a commencé. D'après nos informations, il n'a aucun stuff pour se défendre. Dépêchez-vous. Disons que je suis en full armure P2 et que j'ai... Ah, d'accord. Il a récupéré son stuff. Fuck. Culé. Vite. Bon, je vais avoir une épée avec un enchant très bizarre. Ah non, il faut 19 levels. Ah non, c'est cool, l'enchant Tamorti ne marche pas sur l'épée. Cool. Bah non. Parce que de temps en temps, je sais qu'à une version, tu pouvais mettre n'importe quel enchant sur n'importe quoi avec les bouquins. Donc, vraiment n'importe quel enchant. Hein. Autrement dit, tu pouvais mettre Thorns sur ton épée, comme ça, si tu enfilais ton épée via une commande, et bah ça faisait vraiment Thorns. Y'a quelqu'un qui tire. Pourquoi Joris se fait tuer. Ah non. Je me casse. Pas y'a un Ogar. Y'a un Tinjaf. Pas Joris. Bonjour Tinjaf. Ah putain, au score. T'as de la chance, j'ai pas de flèche sur moi. Putain, heureusement que j'ai Knockback. Non, bah t'as pas de chance, moi j'en ai. Mais justement. Et moi j'ai facilement du quoi en faire. Hein. Attends, on s'éloigne de là. Oh mon dieu. Où es-tu, Tinjaf? Je crois que je fasse le montage pour le petit bonus. Ah! Putain, mais il me fout le feu, le FDP. Le qui? Le zombie. Ah, zombie qui fout le feu. Je veux pas que ça existait, ce truc-là. Si, quand tu te fais taper par un zombie alors qu'il est enflammé, t'as une chance d'être enflammé. Et il m'a foutu le feu, ce connard. Oh! Ce petit FDP. Irrespect les plus totales. Irrespect des plus totales. Moi. Tout ce que je cherche est voir si on n'a pas des flèches dans les loots de mobs. Tiens, on a l'hôtel de la où sacrée. D'ailleurs, il faudrait peut-être y mettre la où sacrée. La sainte. Ouais. La sainte. Voilà, de Dovahkiin. On l'a plus beaucoup vu, Dovahkiin et sa clique. Ouais. Ils sont constamment en absent, je pense qu'ils jouent entre eux et qu'ils veulent pas être dérangés. Je le vois de temps en temps connecté sur Steam, moi. Dova. Ah oui, il joue souvent sur Steam. Je sais pas ce que je fais exactement, cet épisode n'a aucun sens et aucun intérêt. T'étais parti pour miner à la base. Non, ouais. C'est même pas vrai. Si. Non, je voulais juste voir comment fonctionnait ton truc avec l'eau là. Oula, putain. J'ai failli me casser la gueule. Voilà, j'ai un stack et 4 flèches. Je pense qu'on va bientôt arrêter l'épisode, du coup ça doit bien faire 20 minutes là. Bah, c'est 26 minutes qu'on est en con en fait. Aïe. Hé hey, FDP. Oh l'enculé.
Ah merde, non, ouch. Non, 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 oui. T'avais aucune chance face à moi. J'avais un Arc Power 4, mais on était en terrain fermé. Et tu fais chier, espèce de tinlof. T'as rien pris de mon stuff? Non, j'ai tout. J'ai pris 4 torches. Bah, tu peux rien d'avoir 4 torches. Tu me les rends. Sacrilège! Je t'ai rendu tout le reste! Tu me rends ça. Espèce de petit FTP. Voilà, j'ai gardé une torche. Oh. En tout. Oh, oh, tiens, je te la rends, tiens. Attends, attends. Il y a un modèle 3D customisé pour les torches. Avec mon pack de textures. Oui. Oh, oh non, mais enculé. Ouch, ça fait mal. Non, mais putain. Et de deux. mais regarde mon compteur de mort, mec. 28. Va-t-il dépasser la barre des 30? Je voulais te mettre à 30, épisode. Mais je vais te laisser, allez. Je te laisse tranquille. De toute façon, t'as pas le choix. Ah ouais, ok, là j'ai plus le choix. Quoique, avec un slash... Non, non, le slash kill, ça compte pas, parce que moi, quand j'en ai fait un, quand tu m'en as fait un, tu l'as retiré, le kill, après, la mort. Le slash kill ne compte pas. Y'a pas une source d'eau infinie. Ceci j'ai rien l'épisode du Nawak. CLB, si tu ne trouves pas de nom pour l'épisode, c'est l'épisode du Nawak, l'épisode où CLB fait n'importe quoi, l'épisode où CLB meurt, ou le cheval glitch. Le double le bazar de point zéro. De tes morts. Parce qu'en plus, tu m'as donné qu'un coup à chaque fois avant que je te tue, hein. Non mais je fais du 23 FPS avec Fraps. Hein. Bon. Je fais du 13 FPS, 15 FPS, 17 FPS, continuellement. On n'a pas une source d'eau infinie quelque part. Voilà. Ah c'est peut-être pour ça qu'au début j'ai réussi à tester un petit peu. Si en bas. Je fais continuellement des... Je crois que c'est Findus, lui. Ça. Findus, sache une chose. Tu es un pur benet à venir prendre de toi-même des dégâts d'étouffement. C'est vraiment con. Oui, qui a perdu du porc sur le chemin? Pas moi. Moi j'ai 58 poulets. Moi. J'ai 58 poulets, j'en ai rien à faire du reste. Hein. Du roast beef. Allez à boule. Ah. Oh c'est gentil. Oups, j'ai détaché le mauvais cheval, je crois. Je retourne miner comme à mon intention originelle. Le cheval de Spirit Wolf et j'ai plus la laisse. Hey, j'ai pas récupéré la laisse. Hey, bon, Jean-Paul. Hey, on fait des courses de chevaux. Ok, mais faut je viens de descendre dans un endroit à peu près plat. Bah pas nécessairement, ça fait des obstacles, c'est encore plus fun. Ok, tu vois, CLB, on part d'ici et on va jusqu'à l'autre bout de l'île. L'autre bout de l'île, donc dans cette direction, jusqu'à la mer. Ok, t'es prêt? Attendez. Ouais. Ah, il y a Spirit Wolf qui veut. Tu peux te TP pour l'occasion. Il est où le mien? Alors il est où le mien? Il est là. Il y a des gens qui font ça. Voilà. Bon, d'ailleurs, j'ai renommé mon stuff, je vais vous dire les noms. Mon épée c'est la Master Sword, CLB l'a eu deux fois dans sa figure. Mon arc c'est le Dragon Bow. Et ma pioche c'est The Drill. Dragon, oui, Dragon Bow. Dragon Bow Z. Ah non, c'était pas en référence avec. Éclate la tronche de CLB. C'est pour ça. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! C'est parti une demi-seconde avant nous, espèce de petit TP. T'as un cheval une demi-seconde plus rapide que moi. Une demi-fois plus rapide. Putain, mais vous êtes beaucoup plus rapide que moi en fait. Et en plus, moi j'ai des petits freeze à cause de ça. Ah, connard! Ah, moi je frise pas du tout, je lag pas du tout. Hop là. C'est juste que j'ai déjà fait ces montagnes à toute vitesse une fois, deux fois, allez, quatre fois j'ai dû le faire jusqu'à maintenant. Donc je connais pas. Je suis en train de perdre, non. Putain. Ben, ça m'énerve que tu gagnes tout le temps. C'est pour ça que je t'ai dit cette direction, je connais pratiquement le coin par cœur. Bon, à partir de la grande forêt, je. Il est pas ça, les enfants. Ne faites jamais confiance à un jeune quand il s'agit de faire une course. Jamais. Même dans tous les domaines, forêt, ne faites jamais confiance à un jeune. Dans la forêt, je connais pas beaucoup, par contre. Ouais. Là, c'est une rame du cul, mien, c'est un truc de fou. Putain, mais tu prends la distance, espèce de petit connard. Donc maintenant, c'est assuré, j'ai un cheval plus rapide que celui de CLB. Ouais. Et vous avez tous les deux un cheval plus rapide que le mien.
Mais le mien il était pas cheaté. Mais le tien c'est Findus aussi. Bah non. Ah non. Non, toi c'est qui? Non, moi c'est je vais pas encore donner de nom parce que je n'ai pas d'idée. Ring, premier. Findus c'est celui celui de Starfanax. Deuxième. Au montage, rajoutez un timer, rajoutez un timer. Et bring, troisième. Ah. Voilà. Maintenant, vous avez les temps de chacun des MC4 et de leurs chevaux respectifs. On fait une revanche. Ouais, dans l'autre sens. Par contre, là, je connais pas du tout. Du moins, à peine. Je regardais, je commence. Je vais. C'est moi qui fais 3, 2, 1, go, mais je commence un peu en arrière de vous. Regardez. Vous mettez au même niveau, vous deux. Moi, je commence ici, là, un peu en arrière. Ouais. 3, 2, 1. Pardon. Faux départ. Faux départ. 3, 2, 1, go. Moi je me prends le premier mur venu. Comme de par hasard. Espèce de coucou les gars. J'ai buté. On voit pas mais on J'ai buté un cochon sur le passage. Ah tu je te distance pas de beaucoup. Oh merde. Mais c'était pas par là. J'allais dans la mauvaise direction moi. Toujours tout gars. J'ai cheaté. Sérieux nos gardes, mais c'est n'importe quoi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais je veux dire, je suis parti dans un angle différent. Et je vous ai laissé un peu une chance d'avancer là. Putain, vous me rattraperez pas, j'ai tué tellement rapide. C'est tu clignotes, c'est what the fuck. Là, c'est à ce moment-là, on n'a pas le droit à l'erreur. J'ai fait l'erreur. Hein. Merde. Non, c'est elle qui m'a rattrapé. Fuck. Ah, yeah. Vas-y mon gros. Tu Putain, peux le vas-y, faire. Vas-y mon gros, tu peux le faire. Qui a dit que j'y ai? Gros. Aïe. Mon cheval s'est fait mal. Fuck. Non mais dans ce sens. Attention, attention. Et hop, arrivé. Dans ce sens, c'était pas difficile de me semer. Je... Bah, t'es où, mon garde? Ah, bah, t'étais. Qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fous? Eh, mais c'est là l'arrivée, hein! De Mongol. C'est là l'arrivée, hein, ma connaissance! N'importe quoi! On se fait de la ligne droite! C'est ce qui était. Ah, non, mais là, je veux dire, non, il y a anti-jeu, là, je suis désolé. Oui, non, mais vous avez gagné. Voilà. Aïe, marquer les temps d'arrivée respectifs, je sens que je vais me faire chier moi-même au montage pour ça. C'est complètement useless, mais bref. Donc on va CLB, arrêter voilà ce que tu gagnes. Qui est beaucoup trop long. Les 31 émeraudes qu'il y avait chez toi. Voilà ce que tu gagnes. Pillage. Pillage. En fait, tu gagnes ce que tu as fait de base. Je vous remercie du visionnage. Et je vous dis au revoir, slash kill, Tingeoff. Mais non! C'était CLB. Non, je déconne. C'était CLB.